Bon les gars, je vous explique, pour ces derniers jours, j'ai plus de force. Yacine, j'arrive pas à le traiter de gros porc, qui mange des Kinder. J'ai dit, moi j'arrête le chocolat, tout ça, mais là je peux plus. Je suis désolé aussi, c'est un peu ça, on a fait le bazar aujourd'hui. Donc Myriam, tu balances pas. Ok. Ok. Je vais faire un truc de ouf. On va prendre des céréales. Ensuite, on va mettre du chocolat. Comme ça. Yacine, il va m'insulter. Mais là, pour ce temps du ramadan, aujourd'hui, j'ai plus d'énergie, frère, je suis obligé. On va mettre du sucre. Pas grave, j'ai les bras. Du sucre. On va mélanger, on va mettre au micro-ondes et vous allez voir ce que je vais faire. Oh là là, ça c'est ma recette spéciale. On va le faire. Yacine, il va pas me cramer. Donc, chocolat blanc. Putain, je sens déjà mon ventre en train de gonfler. Hey, reste droit. C'est pas fini les frais. On prend de la banane. On en met comme ça partout. Et on a du sirop. Tu vois ça, Yacine, là? Ça va finir dans mon petit ventre. Pas de vidéo, pas de preuve. C'est peut-être pas moi qui l'a mangé. Hein. C'est pas moi qui l'a mangé. Hey, tu connais pas la nouvelle règle? S'il y a 10 000 likes sur cette vidéo, on ressort une vidéo demain. Donc si tu veux des vidéos tous les jours, like! Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Salam. Un bon petit vlog ramadan. D'ailleurs, c'est pratiquement le dernier qu'on fait. Je crois que c'est le dernier. Ah ouais? Ouais, bah ouais, ça passe vite, frère. Toujours pas rasé, hein, vous connaissez. Garde la barbe. Bon, là, garde. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, on ressort de la mosquée. Tous les vendredis, c'est obligatoire d'aller à la mosquée. On va voir l'imam. L'imam, c'est comme un prêtre pour ceux qui savent pas. Et les chrétiens. Il nous dit un petit rappel. Il nous a dit quoi aujourd'hui comme rappel? Il nous a parlé de, en gros, les événements qui ont eu lieu pendant le ramadan. Et en gros, il nous a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit que le prophète, en gros, c'est pas une personne qui était barbare, une personne qui voulait la guerre. Quand il a mené des guerres, c'était seulement pour se défendre. Il voulait la paix, en gros. Il voulait la paix, en gros. Et il s'est battu pour nous. Poser un peu, j'avoue, j'ai un peu de mal avec le ramadan. C'est super chaud, malgré que je fais du sport tous les jours. Alhamdulillah, grâce à Dieu, je suis en bonne santé, tout ça. Mais je pense que ça se voit à ma tête, je suis dans le mal. Mais bon, je pense que vous aussi, force à vous, la famille. Et d'ailleurs, pour ça, mon partenaire, je leur ai envoyé un message, ils m'ont envoyé un super colis pour m'aider justement à manger les meilleures choses pour être en bonne santé. Donc je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Donc le site s'affiche juste là, Greenway, la famille, vous avez un code de réduction. Ça fait super plaisir. Donc regardez ce qu'ils m'ont envoyé. Vu que moi, je fais du sport et j'ai besoin de beaucoup de protéines et on ne peut pas manger trop parce qu'on n'a que 7 heures pour manger. Je vais prendre de la protéine, la famille. Tout est bio, tout est équilibré avec du sucre d'érable, tout ça. De toute façon, je vais la goûter, vous inquiétez même pas. Ensuite, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils m'ont envoyé, oh merci beaucoup, du beurre de cacahuète bio, 100% naturel, super. On va goûter ça vers minuit avec des pancakes, des gaufres, tout ça, ça va être magnifique. Oh là là, c'est des bons. Oh, c'est des bons. Ils m'ont envoyé des barres de protéines. Ça va être super cool. Barre de protéines à la vanille, barre de protéines à la cacahuète. C'est fait avec des dattes, si je dis pas de bêtises. On a des ingrédients 100% biologiques. Regardez, il y a des dattes, de la pulpe de cacahuète, de la protéine. Oh là là, de la fibre de chicorée et de la vanille issue d'agriculture. Donc on va goûter ça aussi à minuit. Ça va faire plaisir. Bon les gars, on va faire une brésilienne. Et le dernier qui gagne, bah, il a gagné. On a droit à 2 touches de balle. Allez, dégage. Une touche. Allez, deuxième manche. Cette fois-ci, on va le requérir une seule touche. Joué. Oh non, j'utilise ma vie. Une touche. Oh, oh merde, merde. Là. Oh. C'est le Brésil ici. Ah, dommage, la finale. Allez, deux touches. Vas-y, un maximum de pieds faibles. Après, on peut utiliser l'autre pied. Comment vite ta forme, ton appui, garçon. Bien joué, le Brésil. Remets-toi dans le champ. Ah,
tout gagné. Ramadan Moubarak. Hein. On les fait pour ce peut-être dernier ftol. Aujourd'hui, on est sérieux. Et je vous réserve une vidéo vraiment surprise, vous allez voir. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a de la viande avec des légumes. On a du quinoa. Yacine, je vais prendre un quinoa parce que j'ai envie d'être balèze comme lui. Ici, on a des fruits. Je vais me rajouter de la soupe. Et sinon, vous avez vu, aujourd'hui, la table, elle est sérieuse. On a du poisson, on a des haricots verts, super carrés. Et en fait, moi, ce que je fais là, c'est que pendant 3 jours, je mange équilibré et un jour, je me fais plaisir. 3 jours équilibré et moi, ça marche de ouf sur moi. Essayez sur vous si ça marche. Franchement, c'est carré. Hein. The next day. Voilà les gars, pour le repas de minuit, on va se faire des crêpes. Comme ça, on va tester deux choses. Le beurre de cacahuète bio, on va essayer. Ça va être la première fois que je goûte un beurre de cacahuète bio. Et ça, c'est de la protéine de riz. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est du riz. Dans le riz, t'as des protéines. Et ils l'ont mis dedans en forme de chocolat. Donc, on va mettre en goût chocolat. On va mettre un scoop. Comme ça, hop. Donc là, on a mis ça dans la casserole. La protéine, tu peux même la chauffer et ça te fait un super pancake pour ce soir. Regardez-moi ce chef-d'œuvre, un beau pancake. Comme ça, on va mettre le beurre de cacahuète, tout ça. Bon, ça y est, c'est le moment. Écoutez-moi, tous les pancakes, j'en ai au moins 20. En vrai, je crois que je vais tout manger. Donc là, on va tester le beurre de cacahuète. Ils nous disent pas de sel, pas d'huile de palme, du beurre de cacahuète. C'est le plus pur qui soit. Donc franchement, c'est la première fois de ma vie que je vais goûter un beurre de cacahuète pas chimique, c'est bio, tout ça. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, je vous mets le site là, juste en bas, là, avec un code de réduction. Normalement, sur le site, vous mettez le code, vous allez payer vraiment moins cher. Bon, regardez juste l'odeur déjà. Ah ouais, ça sent les cacahuètes. Dommage, le téléphone, ça fait pas senteur. Je vous aurais fait sentir, ça sent trop les cacahuètes. On va en tartiner sur le pancake. Ah, j'adore les bons produits comme ça. Voilà, bien généreux. On en met comme ça. Ça à minuit là, ça passe trop crème. On goûte nature. C'est bon. Ah, c'est vraiment incroyable. T'as l'impression de manger des cacahuètes écrasées. Genre c'est grave pur, grave bio. Donc franchement, je vous mets le lien dans la description. Si même vos parents ils cherchent des produits bio pour votre santé, tout ça, c'est pas les produits du commerce sucré, c'est même pas des cacahuètes. Allez-y, foncez, c'est validé à 100%. Ah, il est minuit 25, mon pote. J'avoue, j'ai un peu faim, mais j'ai la flemme de faire à manger. Donc, j'ai enfin la barre protéinée de Greenway, mon pote. Saveur vanille, et en plus, elle est biologique, ça veut dire qu'il n'y a que des bons trucs, il y a des dattes, tout ça. Voilà, goûter. On va voir si elle passe crème le soir. Et on va voir si elle me donne des super pouvoirs pour être super puissant à la musculation, parce qu'elle est protéinée, t'as vu. Là, il faudrait l'ouvrir, voilà. Alors, elle est comme ça. C'est un mélange de dattes, de vanille issue de l'agriculture biologique. Moi, il n'y a pas de truc chelou qui rentre dans mon corps. Hein. Et j'espère, fumez pas. Hein. Attention, vous fumez. Allez, bismillah. Elle est hyper bonne. Je voulais juste voir si avec ça, tu peux faire des pompes en diamant comme ça. Ouais, bah ouais. Ouais. On sent bien la date, on sent les cacahuètes, on sent la vanille. Et tout va dans les pectoraux. On arrive à la fin du vlog, on a passé une super belle journée avec Yacine. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et restez connecté. Il y a des vidéos pratiquement tous les jours en ce moment. On est vraiment déter. À demain, Inch'Allah.